important de ne pas perdre de vue qu'un enfant sourd reste un enfant sourd, même implanté et appareillé, et que donc il faut rester très vigilant sur le bon fonctionnement du système pour que l'enfant bénéficie au maximum de la réhabilitation avec son appareil ou avec son implant. Et puis aussi donc bien comprendre qu'un enfant sourd, c'est pas l'orthophoniste qui va le faire parler, c'est vraiment les parents qui doivent rester à 100% impliqués. Comme pour un enfant entendant, finalement, c'est les parents qui font parler l'enfant. L'orthophoniste, elle va être un guide, elle va aider, elle va donner des pistes, elle va soutenir, mais elle le voit 3 fois dans la semaine. C'est pas assez. L'enfant, il est avec ses parents tous les soirs, tous les jours, toutes les vacances, les jours fériés, tout le temps. C'est les parents qui font avancer l'enfant, donc il faut rester très vigilant pour qu'il entende bien, et puis lui parler, lui expliquer, mettre des mots sur ce qui se passe autour de lui. Et savoir qu'effectivement, il peut être en difficulté d'écoute. Donc, il faut rester vigilant et ne pas se dire « ça y est, c'est gagné, il a l'implant, c'est fini ». Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu le message.